Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Stefano et bienvenue aujourd'hui dans ce 40e épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD sur Nintendo Switch. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce 40e épisode. Et c'est énorme. Vraiment, il y a peu de séries qui ont fait ça ces dernières années sur la chaîne, et une série récente qui a fait ça, c'est la Sif Adventure, et depuis, voilà, mais c'est en ce moment, on reprend les séries longues, que voulez-vous. Ça fait plaisir. Très content de vous retrouver pour cet épisode 40, forcément. N'hésitez pas, pour l'occasion, à mitrailler la barre de pouces bleus. Si on pouvait remettre l'épisode en tendance, ce serait vraiment très, 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 très cool. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, à vous abonner, et... nouveau petit truc, vous l'avez peut-être vu passer. Rien à voir, bien sûr, mais il y aura un lien dans la description. J'ai ouvert une nouvelle chaîne, voilà. Ça s'appelle Sifa Shorts. Donc c'est par rapport à la nouvelle fonctionnalité YouTube sur les shorts. N'hésitez pas à vous abonner. Et j'ai également mis ça sur TikTok. D'ailleurs, sur TikTok, c'est un énorme buzz. Je suis devenu un TikToker, les gars, sachez-le. Je comprends pas. J'ai pas compris. Je comprends pas l'algo TikTok, mais voilà. Allez me follow là-bas, les amis. J'en parlerai mieux dans une autre vidéo si vraiment ça devient sérieux. Mais voilà, pour l'instant, je fais ça pour m'amuser. Et c'est assez rigolo. Épisode 40. Très content. L'épisode. Enfin, la série monte en épisode. J'ai fait un petit live Twitch hier. Et je parlais avec des gens du fait que. Bah. Je voyais pas mal de vos retours de gens qui disent je vais peut-être plus vite qu'à l'époque, parce qu'à l'époque on avait fait 80 épisodes, etc. Alors, juste pour rétablir un petit peu le truc, c'est ce que j'ai dit dans le live. En fait, je vais pas plus vite, c'est que les épisodes sont plus longs. Parce qu'au début de la série, j'étais même en retard sur mon let's play de l'époque. J'ai vérifié, l'épisode 23 de cette série actuelle, on a débloqué la raffinerie de l'Anel, d'accord ? Troisième donjon. Eh bien, à l'époque, à l'épisode 23, toujours... on terminait la raffinerie de l'Anel. Donc on avait déjà un donjon d'avance. Donc ça veut dire que j'étais plus lent dans cette série que sur la série de l'époque. Simplement, à l'époque, je n'ai pas augmenté la durée des épisodes. Les épisodes faisaient toujours environ 25-30 minutes. Là où aujourd'hui, ils font, on va dire, entre 45 et 50 minutes. Donc forcément, je fais quasiment deux épisodes en un par rapport à l'époque, en sachant qu'il n'y a pas toute la phase d'intro, d'outro et tout. Donc finalement, tu gagnes 5-10 minutes. Donc voilà. C'est pas un concours pour savoir quelle série aura le plus d'épisodes. Je dis juste que, vu qu'on va un peu plus vite... Enfin, vu que les épisodes sont plus longs, forcément, ça va un peu plus vite. Mais au final, si vous... On est à l'épisode 40, on n'a pas encore fini le jeu, on va peut-être faire le 100%, donc je pense qu'on peut monter jusqu'aux alentours des épisodes 45, 50, voire peut-être même plus. Maintenant, ensuite, une fois que tu as cette base-là, tu quasiment rallonges par deux, en tout cas, tu rallonges d'un et demi par rapport, à la durée des épisodes qui, à l'époque, était plus courte, et tu obtiens un truc, je pense, à peu près similaire en termes d'épisodes. Enfin, voilà, je voulais juste rétablir un petit peu le truc, mais... YouTube évolue et tout, et vous avez voulu également aussi, vous étiez nombreux à demander à ce que ça fasse plus long, enfin, à ce que ce soit plus long par épisode. Après cette intro qui, elle, du coup, n'est pas du tout dans l'air du temps, parce que les intros sur YouTube doivent être rapides maintenant, on va donc démarrer la recherche du troisième dragon, puisque, on avait réussi à prendre le champ, une partie du champ du héros avec le dragon de feu, une autre partie du champ du héros avec le dragon de foudre la dernière fois, d'ailleurs, il faudra qu'on y retourne, évidemment, pour, un objet à récupérer lors de son épreuve. Et maintenant, on a le dragon de l'eau qu'on avait déjà vu, bien évidemment, simplement, ah je pensais que par contre que ça allait s'ouvrir, j'allais dire simplement, c'est fermé ici, et on n'a pas accès à la zone, ça nous a clairement été dit, on n'a pas accès à la zone, alors du coup je ne sais plus du tout, sachez-le, je sais plus du tout ce qu'il faut faire, pour le coup, alors on va aller peut-être parler à la vieille, elle va peut-être m'aider, mais je sais plus du tout ce qu'il faut faire pour avoir accès aux Phyronautes, les Phyronautes, c'est trop mignon les Phyronautes. Mais ouais, je ne sais pas trop. Alors déjà, ce qu'on va faire, première des choses, avant d'aller parler à mamie, on va déjà aller se heal un petit peu, parce que ma vie est pas des plus... comment dirais-je? Voilà. Je suis pas de toute première fraîcheur, si je peux dire ça comme ça. Pour le coup, voilà. Alors, mamie, est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, pour le coup, on est un petit peu bloqué. Alors, tu recherches les trois dragons. Une fois le champ du héros reconstitué, la voie vers la Triforce s'ouvrira à toi. Sois prudent. Ouais. Me dites pas que je me suis bloqué avec le bug. Pitié, me le dites pas, genre. Parce que je suis censé faire comment, en fait? Blague à part, je suis censé faire comment? Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer? Ah! Ok, fallait venir ici. Link! Ah, il y a un banni à faire, on dirait bien que le gros vilain pas beau refait des siennes. Attends-moi un peu, je vais aller me préparer. Ok, il y a encore un banni à faire, j'avais totalement zappé. Ok, bon bah écoutez, on est parti pour un banni. Hein. Vous êtes chaud pour les bannis? Il va être de plus en plus dur, bien évidemment. Ouh!
On dirait que les gros ennuis vont commencer. Mais rassure-toi, tu commences à connaître l'efficacité de ma méga catapulte, non ? Méga catapulte. Tant qu'elle sera là, le mot défaite ne figurera pas dans mon dictionnaire. J'ai une mission à remplir. Alors essaie de ne pas trop me gêner pendant que je sauve le monde, Link. Ouais, bien sûr. Ça me va. T'inquiète, je vais pas trop te gêner. Ok, donc rien à voir. Vraiment rien à voir du coup avec ce que je pensais. Il faut d'abord faire le banni en fait. Alors par contre, c'est vrai que c'était assez mal indiqué. Bon, après, juste en se baladant, finalement, on tombe dessus. Hein. Mais c'est vrai que finalement. Ah, attention. Le retour. Avec la musique. Et le troisième banni. La dernière fois, il avait des bras. Qu'est-ce qu'il a en plus cette fois? Non, c'est le même, je crois. Je crois que c'est le même. Le banni. Ah non, il a une queue. Il a une queue, du coup, ça va être gênant. Le gros est de retour, on dirait. Allez, viens dire bonjour à ton tour, Ergo. Link, on remet ça exactement comme la dernière fois. Hop. Oui, alors. Un plaisir. Alors, le truc, c'est que déjà, il va vite. Ce salaud va vite. Go. Tire. Tirez, monsieur. Mais bon, on l'a touché. Comme ça, on va l'assommer. Et pendant l'instant, parce qu'en plus, il va vite, hein, le salaud. Oh, non. Oh, c'est la loose. Oh, vous sentez la loose, là, quand même? Ouf, il fait mal et il pose les pieds de plus en plus rapide. Et les rayons sont de plus en plus... Vous sentez la loose arriver? Ok, alors, va pas être simple, cette affaire. Va vraiment pas être simple. Est-ce que je peux faire ça, comme ça, genre? Ah oui, Link, vas-y, Ergo. Go! Vas-y, s'il te plaît. J'ai mal tiré. C'est bon, ça touche. Ok. Allez, là, cette fois, je me foire pas. Cette fois, je suis bien mis. Ah, j'ai l'impression que la bombe a marché, par contre, parce qu'il lui manque un orteil. Mais genre, mes gars! Comment tu peux? Attention. Oh, putain, la vache, mets-le. L'intensité du rayon, comment tu veux faire? C'est normal, ça? Quel enfer! Quel putain d'enfer! Oh la vache! Ok, donc il a sa queue qui me bloque, tout ça, évidemment. Alors, vite. Vache, c'est loin qu'il faut aller. Les gars, j'ai vraiment, no joke, un peu peur, là. C'est bon, allez, il faut faire ça trois fois. On l'a fait une fois. Faut qu'on continue. Faut continuer. Ok, il ressort son truc. Vas-y, ressors-le, y'a pas de souci. Ouais. Oh, what? J'avais oublié ça. J'avais totalement oublié ça. Il s'envole. Ah, il vole. Il croit peut-être qu'il va pouvoir tranquillement planer jusqu'au temple. Mais c'est sans compter sur le grand Ergo. Zou, tire au pigeon. Alors ouais, dépêche. Ouf, j'ai totalement zappé qu'il pouvait faire ça. Quel enfer. Ah oui, alors là par contre. Oh, alors là mon gars. Dommage que ça te détruise pas un peu tout. Par contre il tombe direct au sol et ça c'est bien. Ah du coup on va pouvoir le toucher direct. Il m'a bien fait peur. Heureusement ma super machine est fidèle au poste. Une seule bombe et il tombe comme une mouche. A toi de jouer maintenant, vite avant qu'il se relève. Ok, let's go. Mais donc en fait, ah, oui en fait c'est... Regardez, j'ai déjà fait la deuxième fois, ça va. Alors que j'ai pas eu à faire toute la partie avec les jambes. Donc ça va, c'est plutôt tranquille. Ok, il ressort encore. Est-ce qu'il va recommencer? Il est revenu tout en bas, donc il va se renvoler ou pas? Ok. Ah! Avec tous ces tremblements, les murs se sont écroulés, les bombes ne sont plus accessibles. Ça c'est rude, qu'est-ce qu'on va faire? Link, ramène ta fraise par ici et fis ça. Il y a un passage près du temple sur le côté. Ok, gars, alors. Sachant que l'autre est en train de s'envoler, hein, on en parle. Regardez à gauche. Regardez ce qui se passe à gauche. Ça fait extrêmement peur. À gauche, il est vraiment en train de monter. Ok. Putain, je suis pas du bon côté. Sa mère. On a perdu. Qu'est-ce que je fais là?
que tu veux que je fasse? En fait. C'est fini, ça clignote, c'est fini. C'est fini, j'ai perdu. Pour moi, j'ai perdu là. Regardez, il est là. Il est là, il attend. Alors, par contre, il attend. Pourquoi il attend? Je sais pas. C'est pas par là? C'est où? Qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a un passage, mais où? Attends. Calme. Il se rapproche, il se rapproche. Aide-moi, s'il te plaît. Je peux plus accéder à la réserve de bombes pour recharger la machine. Monte dans la machine. Ah, mais oui! Ok, vite. Ça y est, t'es en place. Allez, vise bien le pilier de pierre sur son museau. J'ai totalement oublié ça. Go! Et là! Ok, en fait, c'est trop stylé. C'est bon, on l'a eu. Je cherchais des bombes et tout. Vous voyez, je me rappelle du jeu dans les grandes lignes, mais il y a plein de trucs que je me rappelle pas, et ça, je me rappelais pas. Ouh! Voilà. Allez. Oh, il m'a fait peur. Il fait peur, vraiment. C'est bon, le banni, c'est fait. Et je suis où, moi? Bon, vous constatez que c'est de plus en plus chaud avec le banni. Ça devient de plus en plus complexe, hein, pour le coup. Et du coup, on n'a plus qu'à... Maintenant, Link, utilise ton éclat céleste. Vite! On y va. Hop! C'est bon! Voilà. Ah oui, alors attendez. Attention. Oh la vache. Oh là là, j'avais compris avant. Incroyable. Et voilà, avec le banni, là, ça devient de plus en plus compliqué quand même. Alors la question, c'est... D'un point de vue scénaristique, c'est bizarre de nous avoir fermé Firon pour ça et tout. Il aurait plutôt fallu nous dire qu'il faille aller au ballon du saut pour qu'un truc démarre et tout. Mais bon, c'est pas très gênant. Du coup, le banni, c'est fait. Pour la troisième fois et la deuxième fois en très peu de temps, pour le coup. Pouf ! Link, cette fois-ci, j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Heureusement, on s'en est sorti. Je retourne au temple, rejoins-nous là-bas. Bah, faudrait peut-être juste pas qu'il devienne encore plus dur la prochaine fois, quoi. Tu vois ? Monsieur l'avatar du néant. Hein, parce que, bon, vous en rappelez, hein. Vous vous rappelez que l'avatar du néant, en fait, c'est lui, hein. Ça a été dit, hein. Non, vous en rappelez pas? Je viens de vous spoil. Ça a été dit. Ça a totalement été dit dans, durant la scène avec Zelda. Hop. Est-ce qu'on est du bon côté? Ouais, nickel, ça c'est bon. Ok, alors. Me voici, chers amis. De retour. Est-ce que vous allez me dire un truc ou pas? Tu as emprisonné ce monstre par 3 fois. Link, Ergo, vous avez à nouveau fait preuve d'une grande bravoure. Ergo, c'est notre pote maintenant. Mais le démon se libère de plus en plus fréquemment. Tu dois faire vite, Link. Dis-moi, as-tu trouvé une piste quant à l'endroit où est cachée la Triforce? Oui. Lorsque tu auras trouvé les 3 dragons et reconstitué le champ du héros, la route vers la Triforce s'ouvrira. Le dragon le plus proche se trouve dans la forêt de Firon. Mais il s'y est produit quelque chose de peu commun. On est d'accord que ce dialogue était censé se déclencher avant les 3 dragons. Quand je vous dis que c'est un peu chelou, parce qu'elle me dit « Ah, le premier des 3 dragons, qui est le premier des 3 dragons, c'est le dernier chez moi. Hein. » Il s'y est produit quelque chose de peu commun. J'ignore comment c'est arrivé, mais il y a peu, le chemin qui mène à la forêt de Firon s'est retrouvé inondé. J'ai donc fermé la porte qui mène à la forêt et posé un seau élémentaire pour arrêter l'eau. Mais maintenant... On ne peut plus l'ouvrir, sinon l'eau inondera le vallon. Le problème est donc de savoir comment tu vas pouvoir te rendre dans la forêt de Firon. Déjà, la forêt de Firon est inondée. Vous allez voir, en termes de DA, c'est incroyable. Petite idée, catapulte. Hey, on dirait que c'est à moi d'entrer en jeu. Pendant qu'on combattait, j'ai pensé à une nouvelle manière d'utiliser ma mégacatapulte. Si tu montes dedans, et que je tire à pleine puissance, t'arriveras dans la forêt en un clin d'œil. Je sors préparer l'engin. Suis-moi, Link. Eh ben, let's go. Eh bien, on peut vraiment compter sur lui. Mais arriverai-je à supporter son caractère très longtemps? Oh, le pauvre. Bien, Link, sois prudent. Ouais, merci. Alors, on va juste aller se heal. Histoire d'être bien.
Voilà. On va faire la petite sauvegarde. Histoire également d'être bien. Alors, il faut pas qu'on se plante d'emplacement. On prend ici. Voilà, histoire d'être bien. Et il ne nous reste plus, du coup, qu'à sortir d'ici. Calme-toi. Il kiffe absolument n'importe quoi. Et du coup, il va nous envoyer dans la forêt de Firon avec sa méga tapulte. Et non pas méga catapulte, même si c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai tendance à vouloir dire ça. T'es où, Ergo? T'es là-haut, je suppose. Cher ami Ergo. Oui, t'es là. Alors, tu veux aller à la forêt de Firon? Ok, je t'envoie là-bas en un coup de cuillère à peau. De méga tapulte. Ok. Ah, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Attention. C'est parti pour la forêt de Firon. Fais attention à toi. Oh my god. Et là, du coup, normalement, regardez ça. Regardez comme c'est beau, encore une fois, en termes de DR. Regardez ça, c'est incroyable. J'adore. Oh, c'est trop stylé. La forêt de Firon qui s'est retrouvée entièrement inondée. Oh, les ticouilles. C'est magnifique. Bon. Il y a eu quelques petits changements depuis la dernière fois qu'on est venu, du coup, hein. J'ai envie de dire. Salut, copain, comment ça va? Ça fait longtemps? Oh, on se connaît, non, tu es... En fait, je crois pas que tu m'avais donné ton nom. Link, un drôle de nom, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, la forêt. Ah, t'as remarqué. Me fume. De l'eau s'est brusquement mise à couler de la base du grand arbre, derrière moi. Et la forêt s'est retrouvée inondée. Je ne sais pas ce qui a provoqué ça, mais au moins, ça va chasser les monstres. Bon débarras. Ok. Eh bah écoute, si c'est de la base du grand arbre, on va aller dans le grand arbre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble être le mieux. Allons dans le grand arbre. Par contre, en termes de respiration, ça va être compliqué. Est-ce que ça lâche, ça recharge ma respiration? Oh non, c'est bien fait, putain. C'est malheureusement trop bien fait. Ok, c'est bon, il y a de quoi respirer. Ok. Voilà, allons-y. Donc on est déjà venu ici, hein, rappelez-vous. Hein. On est déjà venu à l'époque. Et maintenant on vient pour d'autres raisons, bien sûr. Ça, encore une fois. Salut toi. Encore une fois, les zones, il n'y en a pas 50, mais elles se transforment et tout, elles sont trop bien. La forêt est toute inondée, glou. Ah, je pensais que t'allais me donner plus d'infos, mais ok. Bon, si lui est là, vous avez peut-être une idée de qui est là également. Si vous n'avez pas d'idée, ce n'est pas grave. Vous allez voir ça, normalement, je crois, en tout cas. Enfin, je vous dis ça, mais tant, en fait, pas du tout. Tant, c'est pas là du tout qu'il faut aller. Alors. Attendez, je voudrais, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, genre. Voilà, merci. Je voudrais sortir de là, et du coup, je crois... Ah bah voilà, il se passe un truc. Qui ose pénétrer dans mon sanctuaire? Ne serait-ce pas Link, l'humain qui m'a apporté son aide? Tu sembles plus fort que lorsque nous nous sommes rencontrés. Et cette épée que tu portes, c'est donc toi, le véritable élu de la déesse. Ainsi, tu es venu quérir la mélodie du chant du héros qui m'a été confiée par la déesse? Intéressant. Mais avant de te l'enseigner, je dois te mettre à l'épreuve. Tu as sans doute remarqué qu'afin de débarrasser la forêt des monstres qui la hantent, je l'ai inondé. Donc on a l'explication. Tu vas devoir me prouver ta valeur dans cette forêt engloutie sous les eaux. Si tu y parviens, je te récompenserai en t'enseignant une mélodie du chant du héros.
comme tu peux le voir, j'ai fragmenté la mélodie que tu cherches en phironautes. Les phironautes, les phironautes. Dispersés à travers la forêt. Link, prends cette partition. Tu pourras y regrouper les phironautes que tu trouveras. Certains pour assembler toutes les phironautes et récompenser et recomposer la mélodie entière. Si tu y parviens, tu seras digne de recevoir ma mélodie du chant du héros. Je veux pas. Non, ok, ça va, je troll. Non, je sais pas pourquoi j'en garde un mauvais souvenir de ça alors que c'est juste incroyable, mais il me semble que c'est un peu galère. Bon, du coup, les phironautes. Alors, juste un truc, en vrai, d'un point de vue, vu qu'on commence, enfin, on termine par lui cette fois, il me semble qu'on avait commencé par lui à l'époque, je sais plus. Pourquoi lui, il faut qu'il nous mette à l'épreuve alors que les autres, par contre, c'est. Oh, salut, tiens, prends ça. Genre, bon, les épreuves, on les fait avant parce qu'on doit récupérer notre stuff ou le réveiller. Et quelque part, peut-être, c'est pour nous remercier, pour le réveiller. Celui de feu, par contre, c'est juste. Salut, t'es qui? Ouais, tiens. Et lui, par contre, il nous met à l'épreuve. Bon, très bien. Bon, les phironautes. On est parti. Donc, les phironautes, par exemple, les voici. Elles sont là. Attendez, on va aller parler à lui, là. Salut! Tu cherches les phironautes? Oui. Alors, je vais te donner un conseil. Si tu n'attrapes pas toutes les phironautes dans le même groupe à la suite, elles s'enfuiront de la partition. Pour toutes les attraper d'un coup, aspire-les en créant un courant avec un tourbillon. Tout est question de détermination. Par exemple... J'ai raté. Voilà, et là, elles vont s'enfuir. À moins que j'arrive à toutes les choper. Il m'en manque une. Il m'en manque une. C'est bon, je les ai toutes. Ok. Bon voilà, bon bref, en gros, bienvenue dans le monde des phironautes. Le truc, c'est qu'en plus, je sais même pas où elles sont. Mais ça par contre, ça me bute. Je sais même pas où elles sont exactement. Il faut juste se balader dans la forêt et les trouver. Mais regardez, il y a des phironautes qui sont solo là. Regardez là. Et ta pote, elle est où? Ah, ça commence! Je sais pas où est ta pote, putain. Est-ce que c'est possible que ce soit là-dedans? Non. Je sais pas où est sa pote. Bienvenue dans l'enfer des phironautes. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça. Tiens, tu peux m'aider, toi, s'il te plaît? Toi, là. Alors, tu peux poursuivre les phironautes qui s'enfuient à l'aide d'un tourbillon. Elles seront inspirées, tu pourras les attraper. Il paraît que ça consomme de l'oxygène. Bah ouais. Par exemple, ici, là, regardez, il y a des phironautes, là. Attends, on va déjà aller prendre de l'oxygène, ici. Et là-bas, du coup, on a des phironautes. On les a vus, on va aller les chercher. Qui sont, du coup... Elles étaient là, elles sont là. Oh, putain. L'enfer des phironautes. C'est bon, j'ai fait une partition, ok. Là-bas, regardez, il y en a encore. En fait, c'est pas si galère que ça, mais le fait que ce soit dans l'eau et tout comme ça, c'est pas des plus pratiques pour se déplacer. Un passe-mytho. Et on peut voir, en fait, c'est comme des petits poissons, hein, si vous les regardez bien. Ok, donc ça, c'est bon. C'est vraiment comme des petits poissons. En vrai, c'est trop mignon, les phironautes. Hein. Mais c'est juste que c'est un peu galère. Mais c'est trop mignon, pour le coup. Vous avez vu, je peux même aller jusqu'à là-bas si je veux. Après, je crois que... Je crois pas qu'elle soit par là-bas, mais... Oh, putain, il m'en manque une. C'est bon, je l'ai. Je sais pas s'il peut y en avoir par l'autre côté, j'en ai aucune idée. Est-ce que... Alors là, déjà, on voit qu'il y a un mur invisible, un peu. Et là, voilà, et là, je peux pas y aller, ok. Ok, ok, ok. Bon, on trouve quelques trucs, mine de rien. Ça va, on en trouve. Mais en vrai, ça va, ça se fait, hein. Juste que... Il y a 2-3 trucs qui sont un peu galères. Mais ça se fait. Globalement. Là, il doit y en avoir par là, non? Il n'y en a pas par là. Il n'y a pas de phironautes. Vraiment. Est-ce que genre là, c'est fermé? Non, c'est pas fermé. Ok, il y en a un. Oh, salut toi. Qu'est-ce que tu veux? Les bulles violettes sont empoisonnées. Ah bah oui, non, j'avais compris. Donc il faut pas les prendre. Alors, attention. Ok, vite, c'est pas terminé. Donc celle de tout à l'heure que j'ai loupée, en fait, elle avait peut-être un chemin logique. Je sais pas. Ah là, faut se dépêcher parce que là, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'on en récupère, on peut perdre les premières. La dernière.
C'est bon. On a récupéré une des plus longues mélodies là. Là on est pas trop mal. On a récupéré vraiment une des mélodies les plus longues. Regardez, c'est comme un chemin en fait. Il y en a d'autres. D'ailleurs je me rappelle même pas de ce chemin là. Ah si. Ok, donc ça c'est fait également. Puis le fait qu'on puisse nager comme ça, ça aide plutôt pas mal. Là ensuite, est-ce que là il y en a d'autres? Je suis pas sûr. On va aller faire un tour de l'autre côté de la forêt. Hein. Parce que sinon, ça peut être compliqué. Ah, j'ai compris où était la deuxième, regardez. Ça c'est la première. Et la deuxième est là. Ok. Allez, allez. On est sur un mood plutôt positif. Oh merde. Yahoo. Ils en ont marre que je trouve les pyronautes, ils arrivent. Avec leur tête de blasé, ils me fument. Hey Link, on dirait que des poissons pas commodes sont arrivés. S'ils te trouvent, tu risques de passer un sale quart d'heure. Fais attention, ouais. Bon, après un sale quart d'heure, je les défonce, quoi. Je leur rentre dedans, on n'en parle plus. Merde. Là, en termes de respi, là, c'est un peu la loose. Je trouve. Ah, par contre. C'est pas crédible, ça. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Alors, attends, on va juste prendre de la respi, là. Ok. Et du coup, on va venir là. Tranquillou pilou. Et toutes les récupérer. C'est bon, les 4 ici sont faites. Le truc, en fait, c'est surtout que si jamais il en manque, va les trouver derrière. Genre, est-ce qu'il y en a là-haut? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, le chemin suivant serait... Là-bas, déjà, j'en vois plein. Faut passer au centre pour les avoir. Attendez, on va repasser par là, je pense. On voit une Phyronaute qui est solo, aussi. Je sais pas si elle s'attrape ou quoi, mais... Déjà. Du coup, c'est vrai que je parle pas à tous, hein, mais dans les faits, bon. Y a pas spécialement besoin de parler à tous. En fait, ils donnent juste des petits conseils et tout, mais... Si tu as compris, pas forcément besoin. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je pense que la rouge elle est solo. Ce cube de la déesse que j'ai jamais pris aussi. Peut-être que je le prenne un jour. Alors la rouge t'es solo. T'es le petit truc à côté là ou pas? Merde. Est-ce que t'es le petit truc solo? Ça veut pas le prendre. Putain, il y a des fironautes là-dessous aussi. Alors attendez. Ok, alors attendez. Cherchons son temps, déjà on va venir là. Récupérer. C'est bon. On a les phyronautes. Alors la rouge, j'aimerais bien la récupérer, petit poisson rouge là. Ok, donc elle était bel et bien toute seule. Et on voit, on est à peu près sur la même partition, donc il doit y en avoir un dernier dans le coin qui est tout seul. En fait, je pense que c'est ça. C'est par zone un peu. Il va y en avoir un dernier qui est solo dans le coin, non? Non, vraiment pas. Ah ouais? Ok, alors peut-être pas. C'est quoi? En haut là. C'est une phyronaute qui est tout seul. Ok. Bon, très bien. Au moins, on sait. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut, du coup, récupérer ça? Ah, mais comment je récupère ça, moi, en fait? Parce que là, ça va pas marcher si je fais ça comme ça. Comment je la retourne? Eh, toi, là! Est-ce que si je fais ça... Comment je retourne le truc? Là, vas-y, fonce dessus. Non, ça marche pas. Comment est-ce que je retourne le truc, là? Avec les objets que j'ai? Pas avec ça, quand même. Je peux pas croire que ça, ça fasse... Je peux pas croire que ça marche. Comment je fais pour faire retourner le truc? Parce que normalement c'est avec ça. Sauf que là il le chope pas. Ah, il faudrait peut-être que je tombe. Je peux tomber de beaucoup plus haut? Ah, il suffit juste que je tombe de beaucoup plus haut. Ok. En fait le truc classique de base. Sauf que bah là on était en mode pas sûr. Je suis pas sûr. Alors attendez. Comment? Oh non, me dis pas que je peux pas remonter. Oh non, quel enfer.
Je suis obligé de me retaper le chemin d'en bas. Oh là là. Ah, attendez. Déjà, je vois une Fironaute ici. On va plutôt aller faire cette Fironaute là. Avant tout. Elle est toute seule, pauvre tuyote. Aïe. Oh oh. Est-ce à la loose? Attendez, on y croit, 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 on y croit. Ah bon. Ok. Alors la Fironaute. Elle est là, elle est revenue là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh hey Link, tu m'entends? J'ai fini une partition. Je viens d'avoir une idée. Viens me voir que je t'explique. Ouais. Je crois que j'ai fini. Ah non, j'ai même pas fini une partition. Non, je sais pas, j'en ai juste chopé quelques-unes. Dis-moi. Ah oui, mais c'est vrai qu'ici il y a plein de cubes que je pourrais récupérer en fait. D'ailleurs, on en parle du fait qu'il a inondé le truc. Le dragon a inondé le truc pour que les monstres ne. Comment dire? N'attaquent plus. Mais au final, là, il est en train de nous demander d'enlever l'eau, hein, je crois. Hein. Je sais plus. Qu'est-ce que tu veux, copain? Alors, te revoilà. Est-ce que ta collègue de Fironaute avance bien? Figure-toi, j'ai eu une idée. Pourquoi tu n'utilises pas cette chose-là? Comment t'appelles ça déjà? T'as bien utilisé un truc pour retrouver mes camarades l'autre fois, non? La fonction détection? Bah oui, mais si Faye pouvait m'aider là-dessus. J'ai envie de la tuer. Je suppose que le vénérable fait référence à la détection. Son conseil est pertinent. J'ai en effet pu analyser les caractéristiques des Fironautes. Et voilà. Et voilà, bah là ça va devenir plus simple. J'ai configuré la détection pour réagir aux Fironautes. Toutefois, il est impossible d'utiliser la détection sous l'eau. Oui, je sais. Non mais c'est pas grave. Ça va au moins. Ça va au moins m'indiquer. Genre, voilà, par exemple ça. Tu vois. Donc on va faire dans les grandes lignes déjà. On verra ensuite, mais. Donc il y en aurait. Je dirais là-dessous en gros. Attends, on va récupérer ça. On va aller là-dedans. Hop là. Et là, il doit y avoir des Fironautes. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors. Par là-bas, il doit y avoir des Fironautes également. Parce qu'on n'y a pas été. Ouais, j'en vois d'ici. Ok. Parfait. Alors. Ouh, il y en a. Oh, attention. Attention, attention. Ok, de deux. On va attendre d'être proche, histoire de refaire pareil. Ok. On continue. Faut se grouiller quand même, parce que... Je rappelle que ça peut disparaître. Oh, j'en ai perdu. Ouais, faut que je sois plus rapide. Faut que je sois beaucoup plus rapide. Oh non, j'en ai raté. C'est bon, je les ai eu. Ok. Donc ça c'est fait. Il en reste pas des masses en vrai, il reste celle qui est planquée. Il me reste que des Fironautes seules, j'ai l'impression. Ouais. Il me reste que des Fironautes seules. Alors, avant d'aller choper celle qui est planquée là, parce que bon. Ah mais quand il dit pas sous l'eau, enfin pas dans l'eau, c'est même pas. Ok. Alors. Ah si je peux remonter par là, quel plaisir! Quel plaisir, ça va alors. Ok. Donc. Voilà. Déjà. Ça suffit. Vous me gênez. Ah ouais, non? Ok. Voilà. Voilà. Ok. Celle-là, du coup. Calme-toi, toi. Ok. Alors, on a complété une ligne. Donc, il nous manque... Il nous en manque deux seules. Une ou deux seules, je sais pas. Je pourrais les buter, en soi, mais... Un peu la flemme. Il nous en manque plus beaucoup. Attendez, on va juste se remettre... Bien ici. SVP. Histoire de pouvoir souffler et de regarder ce qu'il nous manque. Je crois qu'il nous en manque deux, hein, à tout péter. Il nous en manque combien? On va voir, attendez, ça va apparaître. Il nous en manque une seule en haut, enfin une individuelle et un duo. Du coup, on va utiliser la fonction détection. Alors. Ah, oh, ça pourrait être dans l'arbre.
Vraiment. Ah ok, il y en a un, il y en a là-bas. Alors on va commencer par ça. Les derniers sont peut-être dans l'arbre. C'est une possibilité qu'ils soient dans l'arbre. Alors attendez, déjà, on va aller voir par là ce que j'ai loupé. Ah, je sais où ça peut être. Ça peut être là, là, près du début. Par là. Ça peut être près du début sous l'arbre là-bas. Dans ah bah. Déjà t'as ça qui est là, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est un cœur, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, aide-moi. Quand tu attrapes une chironaute, ta jauge d'oxygène se remplit un peu. Ouais, j'avais remarqué. J'avais remarqué, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé. Alors, attendez, est-ce qu'on a des chironautes? Ok, on en a une là. Ok, le duo est là. Ok. Et donc, la dernière serait soit vers l'arbre, enfin, soit dans l'arbre, ce qui est une grande possibilité en réalité, je pense. Je sais pas, maintenant que je l'imagine, c'est quoi ça? C'est une perle d'ambre, on s'en fout. Donc, je pense qu'elle est dans l'arbre, parce que autrement. Autrement, je vois pas où elle est. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre bien. À moins qu'elle soit là, là, et que je la vois, mais. Pour moi, la dernière, elle est dans l'arbre. Ah non! Elle est cachée derrière ce truc en roche qu'on avait vu tout à l'heure, et je pense qu'il faut y amener un requin. Je pense, en vrai. Ah bah non, pas besoin d'un requin, ce truc, en fait. Ok, c'est bon, bah c'est bon, c'est bon. Bon, on a terminé! Plus ou moins. Plus ou moins. Non. Alors. La question, c'est comment je fais pour le faire revenir. C'est bon, il est réapparu, je crois. Ouais. Oh, putain. Ça passe pas comme ça. Comment je fais? Faut que j'arrive à l'envoyer, mais... Peu importe comment je le tape, ça le... Outre le fait d'être très mal en vie... Comment est-ce que je le renvoie? Peut-être de plus loin... C'est bon, ça a marché. Au péril de ma vie, je crois que j'ai deux cœurs, mais ça a marché. Le dernier. C'est bon. On a fini. On a fini, je veux rien savoir, on a fini. On est bon. Voilà. On est good. Ah, Link, on dirait que t'as rassemblé toutes les chironautes. Bon travail. À présent, on retourne vite voir le dragon d'eau. Bah ouais. Clairement, par contre, on est clairement d'accord, ça c'est trois cœurs qui se battent en bataille, genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en ai eu qu'un, dommage. Voilà, bah au moins j'arrête de clignoter, c'est déjà bien. Retourne voir le dragon d'eau. Alors, est-ce que je suis obligé de faire le grand tour ou je peux passer par l'aide qui est là-bas, non? Dis-moi que je peux passer par l'aide qui est là-bas. Oui, je peux passer. Hop. Vas-y, regrimpe. C'est quand même stylé cette façon de se déplacer, mais je vous avoue que à la longue, c'est insupportable. Vraiment. À la longue, ça devient usant. T'es en mode, bon, la terre ferme, SVP. Hop, on y descend. Ok. Alors, Mister Dragondo. Excellent, Link. T'as rassemblé toutes les chironautes. Comme promis, je vais t'enseigner ma mélodie, héros. Vous avez appris une mélodie du chant du héros. Je pensais maintenir la forêt inondée pour éloigner les monstres. Mais pour éviter de te gêner dans tes mouvements, je vais faire baisser le niveau de l'eau. Va, à présent, j'ai beaucoup à faire. Tout ça pour ça, au final.
Tu auras juste détruit tout l'écosystème et noyé toutes les créatures qui y vivaient. Pour au final te dire « Oh, finalement !» Il me fume. Non, oh, tout le monde est de retour. Ah, d'ailleurs, les petits oiseaux, faut que j'aille les voir. On a encore quelques petits trucs à faire avant la fin de l'épisode. Puisque vous m'avez expliqué qu'effectivement, le truc qui manquait, c'était des plumes bleues. Le niveau de l'eau a baissé. La forêt est revenue à son état originel. Toutes mes félicitations, maître. Vous avez appris toutes les mélodies du chant du héros. Pour compléter ce chant, je vous conseille de retourner dans le ciel, là où se trouve le grand esprit Narisha. Il n'y a pas de souci, mais avant ça, je veux faire deux trucs. Faire deux trucs SVP. Attendez. Voilà. Première des choses. Est-ce que je peux pas juste faire ça genre? Ouais voilà. C'est plus simple. Donc celui-là, évidemment qu'on avait laissé depuis tout ce temps, et celui qui est en face et qui du coup pour le coup va être normalement assez facile de d'accès, puisque maintenant que j'ai le grappin, bah voilà quoi, j'ai le grappin, tu vois. Hop là, quel plaisir. Attention. Ok, deux cubes de la déesse à aller chercher. Et vu que le prochain épisode se passera en partie dans le ciel avec Narisha, ce sera good. Et je voudrais juste vérifier un dernier truc. Et alors pour ça, je sais pas trop comment faire. Il me faut un oiseau bleu. Il me faut un oiseau bleu. En fait, je veux pas capturer un oiseau, je veux capturer une plume d'oiseau bleu. Et pour ça, les oiseaux bleus, il y en a là. Mais la question, c'est... comment est-ce que j'arrive à l'avoir de manière discrète? Parce que là, ils vont se barrer, on est d'accord. Comment j'arrive à l'avoir de manière discrète? Est-ce que c'est à cause de lui que... ça n'a pas marché. Alors maintenant on est tellement puissant par contre avec notre épée que on les bute en un coup. Ok, alors attendez. Je pense qu'il y a de ça en vrai. Je pense qu'il faut juste arriver rapidement et le choper. Je pense. J'espère. Vous pouvez revenir SVP? SVP, revenez. Revenez. Voilà, c'est bon, ils sont de retour. Ah oui, non. Alors, je pense qu'il faut que j'arrive dans leur dos ou un truc, parce que là... là, de loin, il m'a... oh là là, c'était beau, ça. Il y a quoi, là, d'ailleurs? Il y a pas un petit coffre ou quoi? Attendez, je fais 2-3 trucs vite fait, là, pour la fin, mais... il y a quoi, là? Allez, ça s'est fait, un fragment de cœur. Ok, ça passe. Ça passe, ça part, on est bien. Du coup. Peut-être un moyen de les étourdir ou je sais pas. C'est horrible ce que je dis, mais... et ils sont barrés à cause de l'autre, là. Deux plumes d'oiseaux. Oh, ça marche! C'est pas forcément un oiseau bleu. Ok, c'est bon. M'en fous. M'en fous, c'est réussi. M'en fous. M'en fous. Retournez dans le ciel, du coup. Oui, bien évidemment. On retourne dans le ciel. Ah, je pensais pas y arriver comme ça, mais ok. Bon, et on a eu un petit fragment de cœur, on a eu les plumes, on a eu 2 cubes de la déesse. Pas... on a combien de cubes à choper là? 2 ou est-ce qu'on en avait laissé? Je sais plus. D'ailleurs, je me demande si le petit truc des insectes, de la truche et le truc des bambous, d'ailleurs, ne me donne pas des quarts de cœur. Mais bon, j'en ai un là. Oh, attendez, j'en ai un qui est là. Écoutez, je sais que l'épisode ne veut pas se terminer, mais en même temps, il est là, le truc. Tu vois? Donc, je t'avouerai que, bon, j'ai la flemme de faire l'aller-retour. L'autre, il est à côté de Narisha, on doit y aller, donc de toute façon, oui. Mais là... c'est où, en fait? C'est sur cette petite île, non? C'est possible, sur cette petite île? Il y a un petit truc, genre? Il y a un tout petit truc? Faut atterrir dans le trou, non? Oh oui, faut atterrir dans le trou. Oh, clairement. Attention, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Oh waouh! C'est quoi ce que j'obtiens là? C'est quoi ce que j'ai obtenu qui me sont sautés dessus et tout comme ça? Je sais pas, c'était des oiseaux, des rubis, des... je sais pas. Incroyable en tout cas. Et nice, voilà un petit fragment de cœur, nickel. Ça fait plaisir. Ok. Hop. Vous avez des choses à me donner, vous? Voilà, bonjour, Boing. Il va me donner un truc et il va me dire un truc aussi. Faut pas oublier qu'il dit des choses. N'oubliez pas. Boing, boing, boing. Tu me donnes ça et tu me dis... On raconte, si on dessine trois triangles sur les murs mystérieux, ça donne naissance à des fées. Ah oui, si on dessine une triforce, ça donne naissance à des fées. Ça, c'est bien. Bon, moi, généralement, je... Ça voulait pas. Généralement, je prends des rubis, mais... Mais en vrai, ça peut servir de ouf. Y a pas un petit raccourci, là, pas loin? Non. Hein, y a pas de raccourci, pas loin. Ok, ok, ok. Okay. Bon! Dans tous les cas, les amis, aujourd'hui, c'était quand même un épisode important. On aura affronté le banni et on aura fait les Fironautes avec, du coup, la dernière partie du chant du héros. Donc, la prochaine fois, il ne nous restera plus qu'à aller voir Narisha. Et grâce à lui, on va pouvoir reconstituer, du coup, le chant du héros. Et ça nous indiquera l'emplacement de la Triforce. Je sais pas si on la fera la prochaine fois ou si on ira peut-être pas chercher l'objet du dragon de foudre. Parce que ça nous serait utile pour la fin du jeu, quand même. Et vu qu'on s'approche gentiment de la fin du jeu, donc peut-être qu'on fera ça. On fera moitié Narisha, moitié dragon de foudre. Je sais pas exactement, ou peut-être qu'on continuera la quête principale. J'avoue que je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est l'épisode 40. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, aider la vidéo à aller en tendance, les amis, ça soutient énormément. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne de shorts également, ainsi qu'au TikTok, ça fait toujours plaisir, voilà, et puis vous pouvez me suivre sur tous les autres réseaux, Instagram, Twitter, bien évidemment, Facebook, même si j'y suis plus du tout actif, la chaîne secondaire, Twitch, bref, on est partout. Commentez, likez, abonnez-vous, très important. On se dit à très vite, c'était Sif. Ciao.